Oui, sur la dernière journée de championnat, on n'est pas les seuls, l'Olympique de Marseille, à être comme ça, parce qu'il y a quand même quelques joueurs de Ligue 1 qui font partie du groupe de Ludovic Batelli, avec qui je me suis entretenu. On verra déjà quelle position la fédération prend sur ce sujet-là. On sait que ce n'est pas des dates FIFA, on n'est pas obligé à 100% d'envoyer les joueurs, mais pour Max, ce serait bien qu'il puisse faire cette Coupe du Monde. Maintenant, ce serait bien aussi qu'on n'ait pas besoin de Maxime le dernier match. Alors on verra tout ça en bonne intelligence, notamment avec le coach Batelli, et faisons en sorte peut-être de ne pas avoir besoin de ce dernier match pour obtenir quelque chose, on verra. Non, je pense pas. Non, Max est un garçon intelligent, on va faire ça en bonne intelligence, espérons que ça contente tout le monde. Mais le seul moyen de contenter tout le monde, c'est qu'on soit sûr de la place qu'on va obtenir avant le dernier match. Non, c'est... Non, les matchs ont lieu le samedi, le rassemblement pour partir en Corée, c'est le dimanche, donc ça concernera que la dernière journée de championnat. Bah, en tous les cas, c'est comme ça, c'est un fait, donc il faudra qu'on trouve les solutions, que ce soit pour le bien de Maxime, pour le bien d'abord de l'Olympique de Marseille, et aussi pour l'équipe de France. C'est des événements à vivre intéressants, en tous les cas. Non, pour l'instant, il n'y a rien de décidé, voilà, on verra en bonne intelligence comment on peut faire ou comment on doit faire, chacun défendant ses intérêts. Mais en tous les cas, il y a de très bonnes relations, et ça, c'est le plus important.